Salut tout le monde, c'est Pixie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Portal Knight. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Moi je pète la forme à l'idée de voir de quoi est fait cette nouvelle dimension, donc du coup que je vous avais un petit peu lâché dessus la dernière fois. Aujourd'hui ça va être un épisode à mon avis un petit peu plus long vu qu'on va découvrir cette nouvelle dimension. On va peut-être en découvrir encore une autre si elle ne contient pas énormément de choses celle-là. Il va peut-être découvrir aussi un nouveau minerai, le titane. Après, je sais pas, hein, mais j'ai pas exploré. Mais voilà. Du coup, c'est parti pour l'épisode. Alors, voilà, ok. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ok. Ah yes, ça pourrait améliorer notre four. Yes. On en avait trouvé, vous vous souvenez, dans la dimension en fait de ténèbres, des ténèbres. Du coup, non, ouais, non, ça va. La dimension des ténèbres, et là, du coup, on en a en vrai. Et ça qui est cool, c'est que du coup, on va pouvoir améliorer notre four. Non, mais regardez justement les champignons comme ils sont hyper beaux. Champignons cosmiques, non, mais arrêtez, non, mais sincèrement, là, je fais que de le répéter, mais je sais pas, mais ce jeu est juste, mais sublime. Il est sublime. Déjà, c'est hyper beau, c'est hyper varié, c'est hyper. Waouh. Du coup, par contre, pas de signe de minerai de titane. Hein, pour l'instant. Et c'est bien sombre aussi, mais je pense qu'on est la nuit là. Même si ça va rester sombre, je pense qu'on est la nuit. Oh, intéressant. Pas un petit coffre là caché. Ah si. Yes, minerai de titane, ça veut dire sûrement qu'il y en a de cette dimension. Opale cosmique raffinée, waouh. Just waouh. C'est juste magnifique, j'allais rentrer chez moi. Oh, regardez un peu cet icône, il est super beau. Alors non, il n'y a pas de minerai de titane. Alors par contre, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait ici. Parce qu'en fait, je crois qu'il me semble, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, les amis, hein, j'espère de ne pas dire de bêtises. Alors attendez. Oui, donc regardez, en fait c'est pareil, sur la colline torride, quand on a débloqué le biome volcan, entre guillemets, on n'avait pas les minerais d'or. Et à la deuxième dimension, on est allé, il y avait les minerais d'or. Du coup, à mon avis, celle-là sera juste faite de blocs d'anatrosite. Et puis, après, on aura les minerais de titane. Du coup, on va explorer l'autre dimension aussi. Oh, mais c'est juste magnifique. Attendez, est-ce que du coup, on n'a qu'un chemin? Ok, qu'un chemin, ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas de donjon. Mais j'ai ramassé quelques petits blocs d'anatrosite raffinés. Je sais pas combien il m'en faut, mais à mon avis, j'ai pas ramassé des milliers. Hein. Mais à mon avis, il en faut une quarantaine. De toute façon, on en aura aussi après dans la prochaine dimension. Si c'est comme la dimension du volcan. Je dis comme ça, hein, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais. Et en plus, le nom, il s'appelle crête lunaire, quoi. What the fuck? Eh, c'est hyper stylé. Du coup, frappe planétaire, ça va la faire mal, du coup, non? Non, c'est ouais, c'est faible, c'est logique, pardon. Oh. Je l'ai tué pour voir ce qu'il loot. Oh, des étoiles. Ok. Pas de commentaires. Moi j'ai envie de dire pas de commentaires. Du coup, à mon avis, l'épisode prochain, que je ne pense pas tourner à l'avance de celui-ci, mais que je vais tourner plus tard, à mon avis, on va s'occuper de farmer le minerai de titane. Peut-être même aujourd'hui, on va un peu le farmer. Puis, du coup, après, on pourra faire des armures avec. Déjà, je vais voir un petit truc. Avant de passer à l'autre dimension, juste. Non d'accord ouais on n'a pas j'ai pas faudrait que je débloque tout ce qui est enclume tout ça. Du coup sans trop m'attarder sur cette dimension, du coup je vais aller dans la prochaine. Ah oui merde. Pardon, excusez-moi. J'ai pas assez d'éclats de pierre vert. Ah ouais, c'est un peu dommage. Hein. Tout petit peu. Ok. Du coup, là un peu je n'ai plus dans mes coffres. J'ai de trouver des gens à tuer.
personne. S'il y a des gens là-bas. Il n'y a plus les gros mecs de Pabo là. De tout à l'heure. Enfin, de tout à l'heure. De, du dernier épisode qu'on avait vu, du coup. Mais je pense que là, vraiment, c'est la nuit. Avant, c'était pas la nuit, et là, c'est la nuit, à mon avis. Doucement. Ouais, t'es sûr. Ah, ouais, tu vas looter, tu vas faire tomber tes loot, viens. Ah, super. Oh, mais donne des rouges. Ah, dommage. Donc, du coup, je vais aller dans une dimension un tout petit peu avant. Il donne des. Non, je sais plus s'il donne des verts ou des rouges. On va y aller. Il me semble qu'il donne des verts, ce serait logique. On va aller juste avant. Farmer un petit peu les blocs verts. Il me semble vraiment plus que j'en ai chez moi. Hein. J'avais tout pris. Tant pis, hein, de toute façon, on va y arriver à cette dimension aujourd'hui, vous inquiétez pas. De toute façon, si ça prend trop de temps aussi, je ferai une ellipse. Il n'y a apparemment aucun souci sur ça, vous me connaissez, je pense. Je ferai une petite ellipse. Ok. Voyons voir ce que tu lootes. Oui, d'accord, merci. Yes, ok, super. Toi, le seigneur chevalier fantôme. On se connaît? Oula, ça suit ces trucs. Poussez-vous du milieu. Oh, hein. C'est pas possible, hein. Le mec, il s'énerve. Non, mais oh. Ok, donc il m'en faut encore 12. Petite douzaine. Moi, t'en es obligé de les prendre, ces trucs. What? D'accord. Pas ça. Voilà. S'en fout. Salut. L'arc est beaucoup plus puissant quoi. Je pense que le meilleur kit de début c'est Rodeur. Celui qui a l'arc. Parce que là, je ferai masse de dégâts. Déjà que les arcs ils font beaucoup beaucoup de dégâts. Alors là j'imagine même pas. Je sais pas, en fait, en fonction de la classe que vous choisissez, par exemple pour les magiciens, vous avez plus de mana, je crois. Pour les rôdeurs, vous faites plus de dégâts à l'arc. Et pour les guerriers comme moi, vous faites plus de dégâts à l'épée. Et moi, je me sers beaucoup plus de l'arc que l'épée. Donc, clairement, j'aurais peut-être dû choisir l'arc. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Ok, ça va, ça loot bien. Allez! Et sinon, on en parle aussi des noms super épiques qui sont les dimensions, franchement. Crête lunaire, je trouve ça vraiment super épique. Enfin, peut-être pas épique, épique, mais je veux dire, c'est stylé. Ok, plus que du coup 5. Après, rien ne dit qu'il y aura un minerai de titane après, mais ça m'étonnerait pas, quoi. Oh non, pas tes bébés Aractul. Déjà, vous allez vous calmer tout de suite. J'accepte pas ce genre de fondement. Hop. Merci beaucoup de m'avoir rien donné. Ça fait toujours plaisir. Bonjour. Il semble qu'il loue jamais de. De éclat vert de portail.
Ah, ça c'est mon pote ça. On se connaît depuis très très longtemps. Salut mon pote. Attends, déjà je vais le tuer. Voilà. Merci. Et ben non. M'énerve. En plus, ta tête elle sort là. Ouh, ça va, c'est pas parti. Oh, plus qu'un. Génial. Ça va vite. Je fais que de le dire, mais c'est vrai, ça va vite. Petit coup Pongo. T'es plus rapide avec eux, hein. C'est pas parce que je t'aime pas, t'inquiète pas. Hop. J'ai tué tous, du coup ça me fait des éclats de portail en rab. Oui, il dit aïe à chaque fois, j'ai l'impression. Notre inventaire est totalement plein. Du coup, on va jeter la fourrure. Je sais pas si elle va nous servir. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon, ça, on va le garder. Ah oui, ça, c'est ce que j'ai eu. Pour pantalon brume, ça, on l'a déjà fait. On s'en a très bien. Attends, on va quand même essayer, on sait jamais. On l'a déjà fait. Oui, voilà. J'avais raison. J'avais raison, j'avais raison, j'avais raison. Je rêve ou je viens de jeter tous les blocs de terre? Je suis trop trop bête. En fait, j'ai toujours une technique pour récupérer des blocs de terre. C'est très très simple. Ça, franchement, j'ai super bien promis. Allez, on balance tout, on s'en fout. Voilà. Parfait. Comment récupérer des blocs de terre très facilement? Appelez-moi. C'est gratuit. Donc du coup, je vais transformer. Voilà. J'en ai 6. Hein, j'en ai bien 6. Hein, voilà. Et on va se retéléporter à la crête lunaire. Et dès que j'arrive, je vous retrouve. À tout de suite. Yes, on est arrivé. Du coup, je viens placer le bloc sur ce portail. Yeah, voilà, ça, mais ça c'est vachement classe. Quand il s'ouvre là. Du coup, je vais réparer juste mon arc. Enfin, un peu tout même. Hop, ma pioche, on va la réparer. Hop. Mon épée qui commence aussi à être usée, on va la réparer. Voilà. C'est parti! What? Intérieur d'Io, c'est-à-dire quoi ça? Ok. C'est assez spécial. Ouais, en plus il y a un très beau spawn. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais le spawn est très très beau. On se retrouve toujours dans un truc de boss. Ah, ah non. Ben, on va voir un peu ce qu'il y a ici. Salut. C'est la révélation. Yes. Super. Du coup, on va faire le plein en bloc de titane. Enfin, à mon avis, il n'y en aura pas énormément, mais on va quand même faire le plein. Et en bloc d'anatrosite. Il y a un portail ici. Au cas où, on oublie. Et là, il ne va pas avoir de monstre. Ah, il y a un petit donjon. Qu'est ce bloc? C'est un anatrosite raffiné, je crois. Un d'obsidienne. Ah, ouais, dommage. Oula, ça fait peur ça. Oh ouh. Allez. Voilà. Oh, coucou toi.
What the fuck? Le masque. Mais what? C'est plus bizarre. Mec. Ok, donc quand tu meurs, tu meurs. Genre. D'accord. Quoi? Tu me blagues. Et en fait il y a un... On va là. Oh, vite on se casse, on se fait vite. Ok. Salut. Bonjour. Ah, un petit coffre, toujours plaisir. Ok, bloc de titane, potion de mana puissante, éclat de pierre rouge de portail. Salut. On descend encore dans les profondeurs. Les profondeurs du néant. Oh, yes! Le coffre suprême. Bah, du coup, on a des minerais de titane, des blocs de titane, opale cosmique, potion mana. On peut remonter à la surface. C'est un petit donjon assez sympathique, hein, on va pas se cacher. On va pas trop se cacher, hein, clairement. Du coup, maintenant, il faut la nouvelle mission, c'est de trouver où sont ces minerais de titane. Et ça va être compliqué parce que j'en ai vu aucun. Pour tout vous dire. Alors là, je vois rien, je sais. Hein, mais c'est pour mieux chercher, en fait. C'est pas ça. Est-ce que... On va essayer la technique un peu du gros débile, hein, parce qu'on aime bien cette technique. Oui, j'en ai vu. J'ai vu à quoi ça ressemblait, du coup. Ça va m'aider. Aïe, aïe, voilà, merci. Oh putain! Chelou quoi. Les larves sont plus bizarres. Dac. Pas de marée de titane, ils veulent pas en mettre à la surface. Ah bah par contre là il y a des blocs d'anatrosite, ça je prends. Ça, je prends tout de suite. On va miner tout ça. C'était pas ça. J'espère qu'il y a vraiment du minerai de titane ici parce que là, franchement, ça m'inquiète. Enfin, à la surface, j'ai pas envie de miner pour trouver du minerai de titane quand même. Ah bah il y en a là. Non mais sérieusement. Sérieusement, je perds la boule. Puis je pense que dans les dimensions suivantes aussi, il y en aura un peu plus. Hein. Voilà. Je sais vraiment pas du tout combien il en faut. Je vais prendre 40. Je pense que j'en ai 40 là. Suspense. Non, 37. Voilà, là j'en ai du coup 41. Oui, parfait. Du coup, on va pouvoir commencer à ramasser le titane. Magnifique. On va se calmer par contre. Ça rapporte masse XP. Ok. Est-ce que on peut voir comment faire maintenant le titane? Attendez. Ça m'étonnerait hein, parce qu'on va doit améliorer le four. Mais est-ce que c'est possible? Je ne sais pas du tout. Fourneau 3. Non, voilà. Faut améliorer le fourneau avec les blocs d'anatrosite. Et après on pourra voir combien de titane il faut pour en faire. Allez, du titane là, s'il vous plaît. Je sais que c'est rare. Ah, merci. Je sais que c'est rare, mais quand même un petit peu. Oula, on va se calmer tout de suite là, les petites dames. Ça va, elles ont pas trop de vie. Mais what? Je vais mourir tout de suite. Voilà.
Et le... Non, il y en a encore un. Encore un petit qui se cache ici. Et là. Hop, du coup, on a combien de temps d'épisode? Là, on est à 20 minutes. On va faire du 30 minutes aujourd'hui, les gars. Du 30 minutes. Alors, est-ce qu'il y en aurait encore un petit peu dans le coin? Donc, ce que je vous propose, c'est que du coup, là, on rentre chez nous afin de ranger ce qu'on a sur notre inventaire, de améliorer le four. Et si on a passé, on va rechercher. Et de. Oui, donc ranger notre inventaire et du coup voir un peu combien il faut de titane pour créer une barre de titane. On pourrait trouver en suivant la logique, mais j'ai pas envie de réfléchir là, en fait, vous voyez. J'ai vraiment envie d'avancer dans le jeu. J'en reste juste 50 parce que je suis jamais sûre de combien il faut. On est jamais sûr. Hop, allez, on rentre chez nous, c'est parti. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi le nom, pourquoi ce nom de cette dimension, c'est le je sais plus quoi d'Io là. Bon, je préfère crête lunaire perso. Ça sera sûrement le titre de la vidéo. Parce que franchement, non, mais c'est vraiment très très classe. Cette dimension est vraiment super classe. Allez, portail, emmène-moi chez moi, s'il te plaît. Et puis après, je pense que quand on aura fait ça, on s'arrêtera là. Parce que on a fait pas mal de trucs déjà. On a exploré les dimensions. Et puis la prochaine fois, on cherchera encore plus de titane, etc. Oula, on se calme. Oula. What the fuck. Il y a des petits bugs comme ça où mon personnage fait que d'avancer. Du coup, on va ranger les coffres d'abord. Minerai. Non, c'est pas là. Hop. Là, c'est tout ce qui est fourrure, tout ça. C'est tout. C'est quoi ça? Graines de patates. Des patates. Eau des étoiles. C'est là. La magnifique eau des étoiles. On dirait un petit peu un prénom de parfum, l'eau des étoiles, non? Je sais pas, ça fait un peu prénom de parfum. Sauf que ça existe, vous savez, vous imaginez. Non, ce n'est pas de la pub. Arrêtez, hein. J'ai rangé les bugs, mais trop vite, normal. Tu reviens là tout de suite, toi. On met où? Tissu en lin. Il va aller là. Hein. Je fais pas ton caprice. Ah, je viens de le jeter. D'accord, en fait, tout à l'heure, ça faisait ça. Ça faisait le. Enfin, tout à l'heure. Dans l'épisode, ça faisait ça, c'est parce que en fait, je l'ai mis là. Non, il y a que moi qui me comprends, mais je sais, mais c'est parce que. En fait, j'avais trouvé que ça, il était devenu violet l'objet. Je me demandais pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai failli le lancer. C'est tout. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Du coup, pour finir, ça. Mais non! Excusez-moi pour ce cri. Mais ramasse-le! Et voilà, ok. Ça aussi, pourquoi j'ai la laine merveilleuse avec moi? Est-ce que tu m'expliques un petit peu? Explique-moi. Et maintenant, on prie pour que ça soit. On en a assez. Du coup. J'ai tué un peu tous parce que j'aime bien tuer des gens. Évidemment, je rigole. Vous m'avez compris. Je vais encore dire que j'en étais sûre, je sais, mais je me disais, ah, il n'y en a pas 80 ou un truc comme ça. Après, je me suis dit, non, non, il doit en avoir 40. Non, il y en a 80, Lucas, il y en a 80. T'inquiète pas, il y en a 80. On y retourne, c'est reparti. Voilà. Excusez-moi du coup pour ce léger petit problème. On arrive. Alors, je viens de voir le portail là-bas que je n'avais pas vu. Du coup, il est caché. Et oui, il est caché. Il est caché. Et il y a des gens qui sont apparus. Tais-toi. Il me faut juste du coup 30 blocs de natrosite. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. Du coup, en fait, ce jeu, c'est beaucoup de minage, hein, clairement. C'est de bataille minage. J'aime bien. C'est survie, quoi, hein, franchement, clairement.
Franchement, clairement, c'est survie, ouais, hein. Y a pas de doute, hein. Ça m'en fait 63. Mais il y a un beau filon là. C'est quoi ça? Non mais où? Vous allez voir, on en aura assez juste avec ce filon. Qui est là encore là? Du coup, là on est 73. Hop, là on est à 79, plus qu'un. Voilà, parfait. 80, oui. On rentre chez nous. C'était très rapide, on est d'accord. Et du coup, je vous retrouve juste devant le fourneau. Ouh, on est arrivé. Bon, j'ai pris la permission de descendre de la maison quand même, hein. Excusez-moi. Attends, c'est de l'amélioration du four. Waouh. J'adore. Magnifique. Waouh, 20 titanes! C'est une blague. On va devoir farmer ma de fou, quoi. Clairement, on va devoir farmer. Je crois que ça va être ça. Hein. Hop, on va passer là. Du coup, pour améliorer l'enclume, j'imagine qu'il en faut 8, hein. Oui, évidemment, hein. Ça, par contre, ça change pas des habitudes, mais par contre, le prix, hein, des minerais, ça change, hein. Oula. Alors, non, mais parce qu'il y avait la lumière qui faisait des petits effets. Et donc, ça, j'en ai dû en avoir 40, non? De blocs, un peu moins, je crois. Ou 40. Je peux me faire 2 barres de titane, bonjour. Pour ça, il en faut 2. Ça va. Il établit. 4. Alors, il aurait fallu 2, j'aurais bien amélioré l'établi. Oui. Bon, bref, je suis à combien là? Je suis à 27. J'avais dit que je faisais à 30. Donc je vais déjà créer les barres titane. Parce que je peux le faire, je vais le faire. Même si ça a un peu faussé mes calculs, enfin j'aime pas trop parce que du coup je peux pas trop calculer, mais tant pis. Tant pis. Poussez-vous de mon chemin, pas possible. Je sais pas, ça rajoute 4, je crois. Non, 6, je crois. 8. Donc du coup 14, et puis du coup là c'est 20. Ramassez-moi, oui, je te ramasse. C'est beau quand même, hein. Le mec là, il fait. Non, moi je rigole. Et moi je rigole, je ne vais jamais le jeter, ce précieux bijou. Donc qui est sûrement le dernier minerai du jeu, hein. Je veux pas trop spoiler, mais. Bon, je sais pas non plus du coup, hein, mais je pense que oui. Qu'il est le minerai du jeu pour le moment. Parce que. Ils vont faire des mises à jour, etc. Ils font beaucoup de mises à jour. Assez rapidement. Hop, du coup, pour l'épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Allez, du coup, un petit peu farmer le titane, on va sans doute aller dans une nouvelle dimension. On a combien de 10? Oh, c'est pas mal. Je vais ramasser 10. Du coup, bonne valeur, un peu reprendre des blocs verts. Mais j'ai pas tourné ça tout de suite, du coup, je vais tourner ça un peu plus tard. Donc, sur ce. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit j'aime pour cette vidéo, on est à 29 minutes, hein, le temps que je parle. Donc si vous avez. Alors si vous remarquez que la vidéo de Portal Knight sort. Elle est censée sortir du coup. Logique. Normalement il n'y aura pas de retard. Mais s'il y a du retard, c'est normal. Enfin, ne vous inquiétez pas du coup. Mais attendez, je fais les calculs. La vidéo d'avant, celle-là, est sortie le 21. Du coup, celle-là, voilà, sortira mardi 24. Et du coup, la prochaine sortira mercredi 25, jeudi 27, 26 et vendredi 27. J'espère que je sais bien compter, hein. Du coup, vendredi 27, vous aurez l'épisode numéro
Je sais toujours pas le numéro d'épisode, mais bon, tant pis. Donc si vous avez un petit peu de décalage, enfin un petit peu de retard, c'est normal, vous inquiétez pas, mais normalement il n'y en aura pas. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire à cette vidéo, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Portal Knight. Bye bye!